know that klezmer music is a music for celebration, the weddings, bar mitzvahs, holidays and birthdays. And the next song, it's a traditional piece that was often played at the weddings, but it has a little touch of nostalgia, sentimental. It's a little bit sad song. It's probably to remind us that even we're living the happiest moment of our life, probably the most important day of our life, the world around us is not perfect. Super clarinet player, Aretish Muratov.
And the name is Oitate. What does it mean? It's good. Daddy, it's good. Unique for us, because we decided to connect the poem and klezmer together. Last year, our daughter Alina Ishmuratov, by surprise to us, she participated in a competition between schools of writing poems. And when me and Anurat were reading the poem, we were very, very touched, and it was quite shocking actually for us to see what a 13 years old could write and could feel. It's quite a touchy subject that we tend to forget, that we, I don't know, afraid to talk about it. But here,
Tonight, you'll hear the poem written by Alina Ishvaratov on the theme of To the Victims of the Holocaust. Alina Ishvaratov. Tout le monde connaît la Deuxième Guerre mondiale. Ces trois mots qui riment avec terreur et corps expérimental. En évoquant ces mots, des âmes brisées se rappellent de ce traumatisme, jadis créé par le nazisme. Mais pourquoi celles qui se rappellent, celles qui n'oublient pas, doivent juste être celles qui ont été touchées? Pourquoi le monde ne se voit pas obligé d'apprendre et de garder ça en soi, puisqu'un lien direct n'a pas été créé? En se remémorant, il y en a qui rient. Après, tu demandes pourquoi je les fixe avec mépris. C'est parce que ce peuple a un droit irréprochable au respect. Ce peuple qui, depuis le début, croyait à la paix. Les Juifs étaient la principale cible. De la sorte, leur vie était impossible. On rentrait chez toi car il n'y avait aucune loi. On te frappait, on te fouettait, on prenait tout ce que tu avais et on partait. Te voilà seule dans ta maison. Plus de cris, plus de rires, plus de chansons. Cette demeure, malgré sa fébrilité, était ton lieu de réconfort et de paix. Maintenant, sous ces murs sont suspendus le désespoir et la peine. Puis un cri déchirant qui pourrait réveiller un sourd à travers le couloir fait son parcours. La femme qui se haine envers ses êtres ignorants et pleure sa peine au lieu juste d'emmener son enfant. C'est une torture de voir son enfant, l'amour de sa vie, se faire emporter dans ses rires de ceux qui s'appellent les nazis. La société te rejette, tu es comme un déchet qu'on jette. On se débarrasse de toi en t'expulsant de la communauté, en détruisant tout ce que tu as créé. On te regroupe avec les siens, en t'offrant des conditions pires que celles d'un pauvre chien. Je te vois arrêté par la Gestapo, envoyé dans un ghetto. Mais vous vous tenez ensemble, main dans la main, gardant espoir que tout est passager, qu'il y aura une fin. Votre force et votre caractère vous tiennent debout. Votre fierté, votre besoin de survivre en vous, il boue. Mais ça c'est... À cause du fureur, la peur fait fureur. On se cachait partout dans les armoires, les égouts, dans les trous. Retiens ton souffle, cligne pas des yeux. Dans ton estomac, la frayeur forme un nœud. Tu as envie de crier, de pleurer, de t'effondrer, mais tu ne peux pas, car sinon on va t'emmener. Et là-bas, tu vas payer de ta peau. Alors retiens ton souffle et laisse passer le Gestapo. Mais tes beaux yeux noirs t'ont trahi dans l'obscurité au prix de ta vie. Ils ont lui, ils te voilà en route vers Dachau. Ta vie maintenant infernale finira dans un cachot. En rentrant, tu vois une montagne. En réalisant ce que c'est, elle est véritable. Engloutie par cette masse volumineuse, ta démarche devient de plus en plus lente. Et puis sur tes joues coulent tes pleurs pour ces chers frères et sœurs qui sont morts à cette heure. Les années passèrent.
tu t'amènes de ces guerres. C'était tes os, il ne te reste plus rien. Plus jamais tu ne reverras les siens. Tu as souffert comme un million d'autres, car on ne t'a pas pris pour un des nôtres. L'espoir t'a quitté depuis longtemps. La souffrance n'a pas aidé, elle a juste étiré le temps. La seule chose que t'as avalée pendant toutes ces années, c'est de la poussière et de l'eau salée. Tu n'as plus la force de les détester. L'énergie que tu possédais a été pompée. Les traces de tes ongles sont encore sur ce mur. Ce mur te rappelant tes souvenirs les plus durs. Ces âmes méritaient une vie autant que les autres. Mais ce qui leur a été donné, jamais ne pourra être pardonné. Si nous n'avons pas eu la chance de les défendre, de les aider, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est ne pas les oublier.